Dans les années 40 à 45, plus d'un million et demi d'hommes ont trouvé la mort à Auschwitz, dont la plupart étaient des Juifs. Paul Sobol, l'un des rescapés peu nombreux de l'enfer d'Auschwitz, a entrepris aujourd'hui le voyage en Pologne pour y rencontrer une centaine d'élèves de 10 lycées différents afin de témoigner des atrocités qu'il a vues et vécues dans les camps de concentration. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a changé de nom et a vécu clandestinement à Bruxelles afin de pouvoir mener une jeunesse normale et d'échapper à la déportation nazie. Je suis rentré dans un groupe de jeunes, très bons catholiques, qui étaient d'ailleurs d'une classe sociale différente de la mienne. Et là, il y avait des filles et des garçons. J'avais 16 ans, elle avait 16 ans aussi. Donc on s'est rencontrés là. À cette époque-là, de toute façon, les jeunes n'étaient pas comme aujourd'hui. Hein, donc c'était très fleur bleue. Hein, donc on se donnait des becos, c'est tout. Mais ça s'arrêtait là. Et voilà comment j'ai fait la connaissance. On se voyait toutes les semaines, on se voyait tous les dimanches, tous les samedis. On faisait du patinage ensemble, etc. Donc je la voyais toutes les semaines. Avant d'être déportés de la Belgique, les Juifs ont été détenus à Malines. Quand j'étais à Malines, le 26 juin 1944, c'était mon anniversaire, j'avais 18 ans. Et elle a appris finalement que j'avais été arrêté, donc elle est venue à Malines, elle croyait me rencontrer, mais interdiction, mais elle avait donné un petit colis. Et dans ce colis, elle avait caché une petite photo d'elle. Et c'est cette petite photo-là que j'ai gardée pendant tout mon séjour dans les camps. Paul Sobol se souvient du 31 juillet, jour de sa déportation. On a été mis dans les wagons, à 50-60 par wagon. On a pu prendre la petite valise qu'on avait faite quand on a été arrêté. Et moi j'avais un crayon et un bout de papier. J'ai écrit un petit mot donc à mon ami en disant voilà, nous sommes déportés vers des pays de l'Est, nous ne savons pas où, mais nous sommes pleins de courage, nous reviendrons. Et ce papier, je l'ai jeté par les fentes du plancher de ce wagon. Nous avons visité plusieurs baraques au camp de concentration d'Auschwitz, dans lesquelles des expositions dénoncent les horreurs qui y avaient été commises. Est-ce que je peux m'imaginer ce système ? Non, on ne peut pas s'imaginer, parce que c'est quelque chose d'incompréhensible. Comment ce projet insensé a été imaginé par les êtres humains ? Ce n'est pas Hitler tout seul qui a imaginé ça. C'est toute une bande d'assassins qui ont dégagé une stratégie, une industrie de mort. Tout était calculé. La mise à mort de personnes comme vous et moi, tout simplement parce qu'ils étaient différents. Devant le bloc 11 du camp de concentration, nous avons organisé une cérémonie de commémoration au l'honneur de plus d'un millier de prisonniers politiques polonais qui y ont connu la mort entre 1941 et 1943. Paul Sobol se souvient d'un prisonnier qui a tenté de s'échapper du camp de concentration. Puis là, il y avait un officier qui faisait le total de tout le camp.
Et tant que le total du jour n'était pas juste, mort ou vivant, on est resté debout, on attendait. Le matin pour sortir et le soir avant d'avoir son morceau de pain. Donc ça, c'est la guérite très importante. Et vous avez alors là les potences. Et là, moi, j'ai vu une fois, il y a deux gars qui ont essayé de s'évader. Ce n'étaient pas des Juifs, c'était des Polonais, parce qu'il fallait quand même avoir des complicités, il fallait avoir des vêtements civils, etc. Donc, ils étaient repris. Et alors, on les a promenés dans tout le camp, donc pendant l'appel, et ils avaient une pancarte sur le ventre, hein, marquant « Ich bin wieder da, je suis de nouveau là ». Et puis alors, on l'a pendu, et puis tout le camp a dû passer devant lui, et il y avait une nouvelle pancarte en disant « Voilà comment on s'évade d'Auschwitz ». Birkenau. Au sommet de la tour de surveillance de Birkenau, on se rend compte de l'immense étendue du camp. Paul Sobol raconte l'intention des nazis. Parce que le projet des nazis était très simple. C'était de faire d'Auschwitz, de toute cette région, une ville SS, avec les camps qui étaient leurs esclaves, avec des usines, etc. Donc, et puis il y avait des villas pour les officiers, avec des casernes. Alors ici, vous aviez donc à gauche les bâtiments que vous voyez là ont été construits avec les briques des maisons, parce qu'il y avait un petit village ici. Ils ont détruit toutes les maisons, mais ils ont récupéré les briques et ils ont construit ces bâtiments-là. Et ça, c'était le camp des femmes. Les premiers bâtiments servaient aux expérimentations des médecins avec les enfants, etc. Ça se faisait là, au Débert. Le bout de papier qu'il avait jeté hors du train et qui contenait le message adressé à sa petite amie a été retrouvé. Eh bien, un cheminot qui a travaillé sur cette ligne a trouvé un papier, a vu qu'il y avait une adresse, l'a mis dans une enveloppe, a mis des timbres et quand je suis rentré d'Allemagne, j'ai appris que mon ami avait reçu ce message. Moi, j'avais sa petite photo. Cette photo lui a permis d'endurer cette période affreuse. Grâce à elle, il a eu la force et le courage de survivre. Sur ce quai, les nazis ont procédé à des sélections. Donc les gens débarquaient des wagons et directement on les séparait. On séparait les femmes, on mettait les femmes à gauche, les hommes à droite. Et puis dans chaque groupe, on faisait de nouveau des sélections. On mettait à gauche les malades, les impotents, les tout vieux, etc. Paul Sobol a de douloureux souvenirs à ses sélections. Il se rappelle son arrivée. On est arrivé de nuit. Donc je ne savais pas la vision du camp. Je n'avais absolument aucune idée où on était. Donc, hébété à peu 3 jours et 3 nuits dans ces wagons, on débarque. On est ébloui par les projecteurs. Et très vite, on nous pousse en avant comme un troupeau, et puis très vite, on nous sépare. Donc je veux dire que moi, je n'ai pas embrassé ma maman. Pour quelle raison je l'aurais embrassée? Donc tout d'un coup, elle a été mise à gauche avec ma sœur, et je ne l'ai plus jamais vue. Donc ça s'est passé ici. Mais ça se passait tout ça tellement vite, parce que vous voyez, il y a plusieurs voie de chemin de fer, donc il fallait très vite vider les wagons, etc., parce qu'il y avait des trains qui attendaient. Tout ça devait aller très vite, schnell, 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 schnell. On nous poussait toujours en avant. Pour les rassurer, on les disait, ben voilà, vous devez passer une douche, vous devez passer une désinfection, parce que pour rentrer au camp, il y a le typhus. Et alors on les amenait. Donc vous allez voir les ruines plus loin, donc les deux plus importantes chambres à gaz. Et faux crématoire. Ça s'est passé ici, en 44. En août 44, il faisait chaud. Voilà.
Pour moi, c'est un souvenir impérissable, la perte de ma maman, ici, brutalement comme ça. Et moi, je viens pour témoigner, mais je viens aussi en pèlerinage pour ma famille. Birkenau, le plus grand cimetière du monde. Dû aux basses températures, on a pu se faire une idée du calvaire des prisonniers qui n'étaient souvent que revêtus de légers vêtements. Paul Sobol a eu de la chance dans la malchance. Il est un des seuls rescapés, un des seuls survivants parmi les survivants très peu nombreux du camp de concentration et à la marge de mort. Après la guerre, il a tout mis en place pour retrouver sa petite amie, dont il avait gardé la photo durant tout son séjour au camp. Je lui ai vu mentir pendant 2 ans sur ma véritable identité. Et quand je suis rentré des camps, comme c'était la fille du libraire, finalement, je l'ai retrouvée. Et elle, j'ai appris que quand la Belgique a été libérée, elle s'est inscrite à la Croix-Rouge pour essayer de savoir ce que j'étais devenu, etc. Et puis quand je suis rentré, on a repris... nos relations comme avant, et puis quand on a eu 21 ans, on s'est mariés. Et on a vécu toute une vie ensemble. Mon passage à Auschwitz, c'est pas un voyage d'agrément. Je reviens parce que c'est important, à 2 titres. D'une manière personnelle, tout simplement, et privée, égoïste, si vous voulez, je reviens comme sur la tombe virtuelle de mes parents. Et de toute une famille que j'ai même jamais connue. Et puis je viens pour témoigner, parce que c'est important de dire, et que vous, vous passiez le relais, de dire, vous, on a vu, et c'est vrai, c'est la vérité. Birkenau est le plus grand cimetière du monde. Vous avez peut-être marché sous les des morts cet après-midi. Voilà ce que ça me fait.